time. Amen. Amen. How are you this morning? Comment allez-vous ce matin? Un peu d'enthousiasme. Amen. May I wake up? Est-ce que je peux vous réveiller? And I didn't feel to wake up. Et ce matin, je devais me réveiller, mais je n'avais pas envie de me réveiller. Alléluia. Alléluia. I felt sick. Je me sentais malade. My body felt so weak. Mon corps était tellement faible. My nose running. Et mon nez coulait. Fever. J'avais la fièvre. But you know. Mais vous savez. Even if you are in a bad condition, même si vous vous sentez pas bien du tout, God is never in a bad condition. Dieu n'est jamais non, se sent jamais mal. Even if you feel weak, even if we can be weak in our body, et même si nous pouvons nous sentir faibles dans notre corps, a heavenly daddy is never weak. Notre Père Céleste n'est jamais faible. Even if you feel powerless, et même si vous vous sentez impuissant, He is powerful. Il est plus impuissant. Amen. Even if you feel that we ourselves can do nothing, et même si vous avez l'impression que nous par nous-mêmes ne pouvons rien faire, we know our Father in heaven can do all things. Nous savons que notre Père Céleste sait tout faire, toutes choses. And whatever need you came with tonight, today, vous pouvez arriver ce matin avec n'importe quel besoin, quelle demande. A good Father, He is here to meet your need. Notre bon Père, notre Père bien-aimé, est là pour rencontrer vos besoins. He is here to deliver you. Say it again. Il est là pour vous délivrer, merci. And He is here to heal you. Il est là pour vous guérir. Me as well. Et nous-mêmes également. And He is here to touch you. Il est ici pour vous toucher. He is here to reveal Himself to you. Il est ici pour se révéler lui-même à vous. Above all things. Au-dessus de toutes choses. He wants to reveal Himself to you. Il veut se révéler lui-même à vous personnellement. He wants to give Himself to you. Il veut se donner lui-même à vous. And He wants to equip you. Et il veut vous équiper. That you can give Him to other people. Que vous pouvez le donner, vous pouvez le partager avec d'autres gens. Yes, He is your destination. Oui, il est notre destination. He is the way, the truth, and the life. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. So many times we are asking Jesus. Il y a beaucoup de fois on est en train de demander à Jésus. Lord, give us abundance. Seigneur, donnez-nous l'abondance. You know, in John 10:10, dans Jean 10:10, it says the thief, the devil. Ah oui, il dit le diable. He's come just to kill and destroy. Il est venu pour tuer, pour détruire. To steal. Pour voler. But Jesus says, I have come that you will have life. Mais Jésus a dit, je viens pour que vous ayez la vie. And that you will have it more abundantly. Et que vous l'ayez en grande abondance. Amen. Amen. God has given to everyone something. Dieu a donné à chacun d'entre vous quelque chose. So many times we ask in Jesus, you've given me life. Très souvent on demande à Jésus, Jésus, tu me donnes la vie. Now give it more abundantly. Mais il vous donne encore plus abondamment. I was asking that for a long time. Je demandais ça pendant très longtemps. And he did not answer my prayer. Et Jésus n'a pas répondu à mes prières. Then I realized. Après j'ai réalisé. God was waiting for me as I was waiting for Him. Et que Dieu était m'attendait comme moi-même j'étais en train de m'attendre. Amen. Mm-hmm. I was waiting for God to give me more. Je m'attendais que Dieu me donne plus. God was waiting for me to take what He has given to me. Mais Dieu attendait que je prenne ce qu'il avait à me et que j'ai commencé à le donner, à le partager, to invest it in other people. pour le partager avec d'autres gens. Amen. You know, in this world, dans ce monde, what you keep, you keep. Ce que tu gardes, tu gardes. But in the kingdom of heaven, dans le royaume des cieux, there is a different law. Il y a une loi différente. It's what you give, you keep. Ce que tu donnes, tu gardes. And when you give what you have, et quand tu donnes ce que tu as,
it goes from being something into abundance. Ça part du moment où vous êtes quelque chose et pour devenir de l'abondance. Amen. When you start to give of your life that God has given to you, quand tu commences à donner de la vie que Dieu t'a donnée à toi, it goes from being life into abundance of life. Ça part d'être en vie, mais jusqu'à avoir une abondance de vie. Maybe you thought like me, I have nothing. Peut-être que tu penses en toi que j'ai rien. God has entrusted everyone with something. Mais Dieu a donné à chacun quelque chose. Unless you find it and use it, quand tu trouves cette chose et que tu l'utilises, it will grow and increase. Ça va grandir et augmenter. It's like that with the anointing. C'est la même chose avec l'onction. When you start to use it, it grows. Quand tu commences à l'utiliser, ça grandit. You know the glory, la gloire, the presence, la présence. The person, the spirit of God, la personne, l'esprit de Dieu, is for us and it's for fellowship. Est pour nous, mais pour partager. The anointing and the power of God, l'onction et la puissance de Dieu, is to bring other people into this fellowship. C'est d'attirer des gens, d'apporter des gens dans ce partage. The glory is for you, the power is for others. La gloire est pour toi et le pouvoir est pour les autres. You know, I can feel the power physically on my body. Il peut vraiment sentir physiquement la puissance de Dieu. I can know the glory. Et je peux reconnaître la gloire. But not the same way. Mais pas de la même façon. The glory steals you. La glory steals you. La gloire vous rend plus silencieux. It deals with the inside. Ça a à faire avec l'intérieur, l'esprit. It makes you to be. Il vous fait être. The power is different. La puissance est différente. It stirs you. Ça vous remonte, ça vous aide. It makes you to do and to speak. Ça vous engage à faire et à parler. The power makes me right now. Le pouvoir me fait maintenant. To be able to stand here and minister to you. Le pouvoir fait que maintenant je suis capable d'être devant vous et de vous partager ce message. And feel good. Et me sentir bien en même temps. Even if I came sick. Même si je suis arrivé malade. So sick that I just want to get the cover over my head and continue to sleep. Je me sentais tellement malade ce matin, j'avais une chose envie de une chose, de mettre la couverture sur ma tête. The power of God. Mais le pouvoir de Dieu, la puissance. The power of God. La puissance de Dieu. The flame of God. Amen. It empowers you. Ça vous rend puissant. It enables weak people. Ça donne l'occasion aux gens faibles. Sick people, aux gens malades, and ordinary people, et aux gens ordinaires, to give Jesus to other people, de donner et de partager Jésus avec d'autres personnes. Even we are nothing, même si on n'est rien, He is everything. Lui est tout. Amen. Amen. It's the day of Pentecost. C'est le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Let's read in Amen. Lisons dans. Thank you. In Acts chapter 2. Dans Acts chapitre 2. Oh, sorry, je n'ai pas mon micro. Oui. Dans Acts chapitre 2. Okay. Dans Actes chapitre 2, Jesus had already breathed on his disciples. Jésus a déjà soufflé sur ses disciples. Oui, il a soufflé. And it says, receive the Holy Spirit. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Still, it says, abide in the city. Stay in the city. Ah oui, mais restez dans la ville. Until you are dressed with power from on high. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance venant d'en haut. Amen. Amen.
The Bible says that Jesus is the one who baptized. La Bible dit que c'est Jésus qui est c'est celui qui baptise. In the Holy Spirit and in fire. Dans le Saint-Esprit et le feu. He is the one who baptizes. C'est lui qui baptise. He is the one who immerses you. C'est celui qui va vous immerger. In spirit and in power. En esprit et en puissance. That you can be a vessel for his kingdom. Que vous pouviez être des vaisseaux de sa puissance. Even if you are ordinary and weak. Même si vous vous sentez ordinaire et faible. Even if other people say you're nothing. Okay. Even if other people disqualify you. Même si d'autres personnes te disqualifient. Jesus did not come to disqualify you and condemn you. Jésus n'est pas venu pour vous disqualifier ou vous condamner. He is here to qualify you. Il est ici pour vous qualifier. Amen. Amen. Jesus is here today. Jésus est ici aujourd'hui. And if you ask him, et si vous lui demandez, he is the one who baptizes in fire. C'est lui qui baptise dans le feu. And when you take what you receive, et quand vous prenez ce que vous recevez, and you start to give it, et que vous commencez à le donner, use it to serve other people. Et que vous l'utilisez pour servir d'autres personnes. To help other people. Pour aider d'autres personnes. To love other people. Pour aimer d'autres personnes. What he has given you will grow. Ce qu'il vous a donné va grandir. Into abundance. Jusqu'à avoir l'abondance. It's the same with everything in the kingdom. C'est la même chose dans toutes choses dans le royaume. God gives you something like a seed. Dieu vous donne quelque chose de la taille d'une semence. And it grows. Many people say Christianity is boring. Beaucoup de gens pensent et disent que le christianisme est barbant et ennuyant. Many young people say, "Oh, Christianity is so boring." Il y a plein de gens qui disent que le christianisme c'est ennuyeux. And they say, "I'm an atheist." Alors ils disent, je suis un athée. And you know it's boring if you are a hearer of the word and not a doer. Ça peut être ennuyeux si vous êtes simplement un lecteur de la parole, mais pas, vous ne mettez pas la parole en pratique. For years, I always had this desire in my heart to serve God. Pendant des années, j'avais le désir dans mon cœur de servir Dieu. But I only heard about it. I heard about it. J'avais seulement entendu, j'avais entendu à propos de ça. I was studying about it. J'étais occupé à étudier à propos de ça. I was going to church. J'allais à l'église. Every meeting I found. J'allais à toutes les réunions que je pouvais trouver. If my church didn't have enough meetings. Quand mon église n'avait pas assez de réunions. I went to other churches too. J'allais à d'autres églises aussi. Because I wanted to go to church 7 days a week. Parce que j'avais envie d'aller à l'église 7 jours par semaine. I was hungry, I was thirsty. J'avais faim, j'avais soif. There got to be more. Que Dieu soit plus. I read the Acts of the Apostles. J'ai lu dans les Actes des Apôtres. And I saw this amazing adventure. À propos de ces aventures merveilleuses. I thought, this is amazing. This is something different than what I thought. Et puis j'ai vu que c'était quelque chose de différent de ce que je pensais. I look in the Bible. J'ai regardé dans la Bible. Christianity looks amazing. Et j'ai trouvé que le christianisme était vraiment magnifique. I looked at my church. J'ai regardé à mon église. At the Christians in my community. J'ai regardé les chrétiens dans ma communauté. Christianity looked very boring. Mais là, le christianisme avait vraiment l'air ennuyeux. And everyone was saying, "Oh, it's so boring." Et tout le monde trouvait, "Oh, qu'est-ce que c'est ennuyeux." Oh, it's so boring. Oh, c'est tellement ennuyeux. And you know, if you just hear and hear and do not practice, it is boring. Si tu écoutes simplement et que tu ne fais rien, waiting for God. Alors c'est ça, j'attendais Dieu. I said, "God, do something. Alors je disais à Dieu, mais fais quelque chose. Give me abundance. Donne-moi l'abondance. But God is waiting for us. Mais Dieu nous attend à nous. Take what we have been given. Pour prendre ce qui nous a été donné. And start to use it. Et commencer à l'utiliser. Amen. You know, the disciples
of Jesus was in a boat with Jesus on the ocean. Vous savez que les disciples de Jésus étaient sur un bateau. Actually, at this point, Jesus is not in the boat, he's on the water. Là, ici, Jesus is walking on the water. Jésus était en train de marcher sur l'eau, il n'était pas dans le bateau. Peter and his friends is in the boat. Pierre et ses amis étaient dans le bateau. They were all disciples of Jesus. Ils étaient tous des disciples de Jésus. It was his apostles. Ils étaient ses apôtres. And Peter says, if it's you, Jesus, ask me to tell me to come to you on the water. Alors Jésus a dit, si tu es Jésus, demande-moi de marcher aussi sur l'eau. What, on the water? Marcher sur l'eau. He could have continued to sit in the boat. Il pouvait rester simplement assis dans le bateau. And say Christianity is so boring. Et dire, oh là, c'est le christianisme, c'est vraiment ennuyeux. But he didn't. Mais il n'a pas fait. He heard the word of God. Il a entendu la parole de Dieu. And he stepped out of the boat. Il est sorti du bateau. And what was impossible became possible. Et ce qui était impossible devenu possible. Amen. He could have just continued to sit boring in the boat like the other disciples. Les gens continuent souvent à rester assis dans le bateau comme les disciples et à trouver ça ennuyeux. You could have just heard the word of Jesus, come to me on the water. You could have just heard the word of Jesus. Il pouvait simplement avoir entendu la parole de Jésus et de rester dans le bateau. And never done anything with it. Et jamais rien faire avec cette parole. And his life would maybe be boring that day. Et bien sûr, sa vie peut être ennuyeuse à ce moment-là. But he didn't. Mais il n'a pas fait. His day became an adventure. Cette journée est devenue une aventure. His day became supernatural. Sa journée est devenue surnaturelle. I made a decision. J'ai pris une décision. I don't just want to hear his word. J'ai pas seulement envie d'entendre. I want to practice his word. Je veux la pratiquer. And I like to search the Bible. Et j'aime bien de regarder, de chercher dans la Bible. As the Holy Spirit teaches us all things. Quand le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Guided us into all the truth. Il nous guide dans toutes les vérités. Remind us about everything Jesus said. Il nous rappelle à propos de tout ce que Jésus a dit. He's teaching us things to come. Il nous enseigne à propos des choses à venir. He's our helper. Il est notre aide. But Jesus says, "Will abide with us forever." Jésus a dit, je serai avec vous pour l'éternité. Amen. You know, Jesus, God. Vous savez, Jésus, Dieu. Is a good God. Est un bon Dieu. And He is not a distant God. Il n'est pas un Dieu distant. The Bible says He is our Father. La Bible dit, il est notre Père. Amen. Amen. And Jesus says in Matthew chapter 28. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 28. Behold, I am with you always. I am with you always. Je serai avec vous tous les jours de la vie. Always is always. Et toujours, ça veut dire toujours quand Jésus. Not every second day. Pas chaque autre jour. Not every second minute. Pas une autre minute. Is always. C'est toujours, c'est tout le temps. And something happens when you realize. Et quelque chose arrive quand vous réalisez. That He is walking by your side. Il marche à côté de vous. Amen. Always. Toujours. He is in you always. Il est en vous. Toujours. He is with you always. Il est avec vous. It means you are never alone. Ça veut dire que vous n'êtes jamais seul. And it means whatever situation you come into. Ça veut dire aussi que n'importe quelle situation vous rencontrez. You might feel weak. Vous pouvez vous sentir faible. I'm sick. Et c'est malade. And ordinary. Et ordinaire. And the situation seems impossible for you. La situation a l'air d'être impossible pour vous. But it's never impossible for the one always with you. Mais c'est pas impossible pour celui qui est toujours avec vous. Amen. Amen. Before Jesus, I'm with you always. Avant que Jésus dise que je suis avec vous toujours. He says, "Go into all the world." Il a dit, allez. Dans le monde entier. That was Mark 16. C'est dans Marc 16. But in Matthew 28. What are you saying? Matthew 28.
He says, go make disciples. Il a dit, allez et faites des disciples. Dans Matthieu 28. Of all nations. De toutes les nations. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Et les baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Teaching them to observe all things. Et les enseigner à observer et à obéir à toutes choses. That I've commanded you. Le Seigneur a dit, allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. So, verse 20 is what qualifies you to practice verse 19. Donc, le verset 20 vous qualifie pour ce qui vous est demandé dans le verset 19. Because it's with you always. Puisqu'il est avec vous tout le temps. You can therefore go and make disciples of all the nations. Mais vous pouvez à ce moment-là aller dans le monde entier et faire des disciples. And it's not about your ability. Et c'est pas à propos de votre habileté, de votre façon. It's about God's ability in you. C'est à propos de la capacité de Dieu en nous. Amen. I love to study the Word. Moi, j'adore étudier la parole. And find new things I can practice. Et chaque fois, trouver des choses nouvelles que je peux pratiquer, mettre en pratique. Amen. Some people say you're crazy. Certaines me disent que vous êtes fou. You're too radical. Tu es trop radical. Especially the devil is number one saying that. I found some months ago, I find a verse in the Bible. Il y a quelques mois, j'ai trouvé un verset dans la Bible. It says, give to everyone who asks of you. Donnez à tous ceux qui vous demandent. The devil says, you're going to have nothing left. Et le diable dit, mais t'as plus rien. But I started to practice that. Et j'ai commencé à pratiquer ça. My mind was scared. Dans mon esprit, j'avais peur. But I thought, I don't want to live a boring Christian life. Alors je me suis dit, non, j'ai pas envie de vivre une vie chrétienne ennuyeuse. I give more than I ever have given. J'ai donné plus que j'ai jamais donné. And I myself, I live by faith. Je vis, vous savez, moi-même, je vis par la foi. So I wonder where is the money coming from. Donc je me demande d'où l'argent va venu. But Jesus told me again and again. Mais Jésus m'a montré encore et encore. Money is not a problem. When God sends you for a mission, quand Jésus vous envoie pour une mission, He will also come with a provision. Il va aussi vous venir avec la provision. I thought, yeah, the disciples may sit in the boat. Même que les disciples veulent rester assis dans le bateau. But I want to walk over. Mais moi, je veux marcher que par l'eau. So start to give here and there and everywhere. Et de donner là-bas, et encore partout. Last time I was in the United States. Il y a un peu de temps, la dernière fois j'étais aux États-Unis. I had a one-way ticket. J'avais un ticket seulement pour l'aller. So it was around Christmas. C'était aux environs de Noël. And I had money to buy a ticket home. Et j'avais de l'argent pour m'acheter le ticket pour rentrer à la maison. But someone came to me and said, we really need money. Mais il y a quelqu'un qui est venu vers lui et qui a dit, j'ai vraiment besoin d'argent. So I thought, now I can live a boring Christian life. Donc alors je me suis dit, soit maintenant je peux vivre une vie chrétienne ennuyeuse. Or I can step out on the water. Ou je peux marcher sur l'eau. I give every coin I had, every single dollar. J'ai donné vraiment toute ma monnaie jusqu'au dernier dollar. Amen. Amen.
Then life starts to become exciting. Et là, la vie a commencé à être fascinante. When you, by obeying the word of God, quand tu obéis à la parole de Dieu, get into a situation, et que tu arrives dans une situation, where you're absolutely dependent on miracles from God. Et que tu, à ce moment-là, tu es absolument dépendant des miracles de Dieu. People say, oh, I don't see any miracles. Les gens qui disent, mais moi je vois aucun miracle. But they are so safe and so comfortable. And mais ils sont tellement en sécurité et confortables, ils ne font rien. They don't need a miracle. Ils n'ont pas besoin d'un miracle. I got my money. J'ai eu mon argent. More than I gave. Et plus que ce que j'ai donné. Someone must have reminded just to put some money on my account. Quelqu'un s'est souvenu à ce moment-là qu'il devait mettre de l'argent sur mon compte. And suddenly money started just flowing into my account. Et tout à coup l'argent a commencé à être versé, vraiment à être déversé sur mon compte. And I tried to find out where they're coming from. Et j'essayais de voir d'où ça venait. And sometimes I didn't find out who it is. Et à certains moments, il y avait même des moments où je n'ai pas vu de qui ça pouvait venir. Huge amount I never received before. Un énorme montant que j'avais même jamais reçu auparavant. You know the Bible says that those who preach the gospel shall live by the gospel. La Bible dit que ceux qui prêchent la parole, l'Évangile, vont vivre selon l'Évangile. You say, what are we going to preach? Alors j'ai dit, ok, on va aller prêcher. You know, as I went to church. J'allais à l'église, j'ai dit j'allais à l'église. I heard about missions. J'ai entendu parler des missions. But I have no idea what do I do. Mais j'avais vraiment aucune idée de ce que ça peut être, de ce que je pourrais faire. It became so spiritual, I didn't understand anything. C'est devenu tellement spirituel, pour finir, je comprenais plus rien. How does this become practical in my life? Comment est-ce que ça peut devenir pratique dans ma vie? First Corinthians chapter 1, verse 17. Dans Corinthiens chapitre 1, verset 17. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom or words, that the cross of Christ should be made of no effect. I can only one hand, Stephen. Which one? 1 Corinthiens 7. Verset 17. Le Christ, 1 Corinthiens, verset 17. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle, et cela sans utiliser le langage de la sagesse humaine. Next verse, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. En effet, prêcher la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais nous, qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance de Dieu. So what is the power of God? Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de la puissance de Dieu? It's the message of the cross. C'est le message de la croix. If you go to Galatians chapter 3, si vous allez dans Galates chapitre 3, it says that God works miracles among us. Il est dit que Dieu fait des miracles au milieu de nous. And he supplies the Spirit, he gives and supplies the Spirit. Il fournit l'Esprit. By the hearing of faith. Par l'écoute de la foi. When you hear the faith preached. Ah oui, quand vous entendez la foi, à propos de la foi quand c'est prêché. When you hear the message of the cross. Quand vous entendez le message de la croix. Of the blood of Jesus. Le sang de Jésus. So if you want a miracle. Si vous désirez un miracle, d'avoir un miracle. If you want the Spirit. Si vous voulez que l'Esprit. Make sure you hear the faith preached. Assurez-vous que la foi est prêchée. And make sure you speak it to other people. Et faites en sorte que ce soit prêché à d'autres gens. Amen. It says in verse 23, 1 Corinthians 1, 23, but we preach Christ crucified.
Quant à nous, nous pressons le Christ crucifié. Yes, if you go to chapter 2. Dans le chapitre 2. Verse 1, and I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. Quand je suis allé, c'est donc dans le 1 Corinthiens chapitre 2, quand je suis allé chez vous, frères, pour vous révéler le plan secret de Dieu, je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ et plus précisément Jésus-Christ crucifié. I was with you in weakness, in fear and in much trembling. C'est pourquoi je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte. And my speech and my preaching were not the persuasive word of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Et mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. So Paul, he says, I was with you in weakness, fear, and much trembling. Donc Paul dit, j'étais là dans la faiblesse, la peur et mon corps tremblait. And still he qualified. Et même avec tout ça, il était qualifié. He didn't come with human wisdom. Il n'est pas venu avec de la sagesse humaine. Or nice words. Avec des mots très jolis. But he qualified. Mais il était qualifié. Because he knew it was not about his ability. Parce qu'il savait que c'était pas à propos de sa capacité à lui. He knew it was the Spirit in him and the anointing on his life. C'était à propos de l'Esprit et de l'onction sur sa vie. It's the anointing on you that will keep you and. C'est l'onction sur vous qui va vous garder. Et. It's the anointing that equips you. C'est l'onction qui vous équipe. And will make a breakthrough where you go. Et qui va vous ouvrir. It says in demonstration of Spirit and power. Et ce sera une démonstration de l'Esprit et de la puissance. In Mark 16. Dans Marc 16. The Bible says they went out preaching everywhere. La Bible dit ils sont sortis pour aller prêcher partout. And the Bible says the Lord working with them. La Bible dit que le Seigneur marchait partout avec eux, était avec eux. Confirming the word with signs, wonders, and miracles. Et c'était confirmant qu'il allait y avoir des signes et des miracles. Amen. God is not just sitting with sinners. Dieu n'est pas seulement assis avec des gens qui sont assis. He's going with goers and working with workers. Il accompagne des gens qui font des choses. Amen. He said they went out preaching everywhere. Il est dit dans la Bible qu'ils sont sortis et sont allés prêcher partout. The Lord working with them. Et que le Seigneur était en train de travailler avec eux. When you step out in faith. Quand tu fais un pas de foi, quand tu marches dans la foi. When you hear His word. Quand tu as entendu cette parole. Come to me on the water. Qui dit viens sur l'eau. People may say you're crazy. Les gens peuvent dire vous êtes fou. But you rather listen to God. Parce que mais vous écoutez ce que Dieu vous dit. You step out on the water. Vous sortez, vous marchez sur l'eau. Let someone else live a boring Christian life. Laissez les autres vivre une vie chrétienne. Amen. He will work with you. Et Dieu va vraiment travailler avec vous. He will confirm the word with signs and wonders and miracles. Il va confirmer la parole qui dit avec des signes et des miracles. Preach the simple message of the cross. Prêchez le simple message de la croix. Amen. In chapter 15. Dans chapitre 15, 1 Corinthians. 2 Corinthians. 2 Corinthians. 2 Corinthians. He's talking about what Paul delivered. The message Paul delivered first of all. Parlons maintenant du message que Paul a donné. Jesus died for our sin according to the scriptures. Donc Jésus est mort pour nos péchés en accord avec ce que la parole dit, les écritures disent. He was buried according to the scriptures. Il a été enterré en accord avec ce que la parole dit. He rose again. According to the scriptures. Il est ressuscité selon la parole. And he showed himself. Il s'est montré.
At least Paul says he showed himself to me. Et Paul dit même, il s'est montré à moi. And else can also say that God has been showing himself to me. On peut même dire que Dieu s'est montré à vous-même. Maybe we can say that we see Jesus like Paul saw him. On peut même essayer de voir Jésus comme Paul l'a vu. Some of us actually do. Il y a des gens qui le font en fait. But as believers, we can say we have a personal. We met Jesus personal. En tant que chrétien, on peut dire qu'on a fait une rencontre personnelle avec Jésus. He is real. Il est vrai. He lives. And because he lives, we shall live also. Parce qu'il est vivant, nous allons vivre également nous-mêmes. He's here to equip you today. Il est ici pour vous équiper aujourd'hui. He's the one who baptizes with fire. Et c'est lui qui baptise avec le feu. Amen. He's the one people. He's the one that makes heroes into heroes. Il est celui qui, de zéro, vous fait devenir un héros. Ça sonne mieux en anglais. He's the one who believes in you, no one else believes in you. Yeah, il va faire en sorte que les gens vont vous croire, même si personne ne croit en vous. He's the one when your family and friends say you're going crazy, stop this nonsense. Et il est celui qui, avec votre famille et vos amis, va dire, mais arrêtez ce non-sens. He says, I will always be with you. Il dit, je serai toujours avec vous. Let's go. Allez. Let's go. Allez. Let's go. Allez. Come to me on the water. Venez avec moi sur l'eau. Even if you start to sink. Même si vous commencez à sombrer. I will not beat you on your head. I will not hit you on your head. Even if you fail and start to sink in the water. Même si vous commencez à sombrer, I will not lose you. He will not be angry at you. Il va pas être fâché avec vous. Amen. He rather see you just take action. Il veut simplement que vous voir entrer en action. Maybe you will fail sometimes. Oui, peut-être que vous n'allez pas réussir parfois. But he's still with you. Mais il est toujours avec vous. I'm with you always. Et lui, bah, je serai toujours avec vous. Amen. Amen. You can see in 1 Corinthians chapter 1, verset 27. And you can start to just receive your miracles as I finish up. You say 2 Corinthians 1. What? 1. Oh, yeah. Sorry. Chapter. God wants to do a miracle in your life tonight, today. Dieu veut faire un miracle pour vous dans votre vie aujourd'hui. Just start to receive right now. Mais commencez à recevoir maintenant. I don't think I need to pray for you. Je pense pas que j'ai besoin de prier pour vous. What Paul preached. Quand Paul prêchait. The fire start to fall. Le feu commençait à tomber. By the hearing of faith. Mais simplement par le. Acts chapter 10. Par écouter dans la foi. Donc dans le chapitre 10. I can baptize you in fire. Je peux baptiser dans le feu. How much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? The Bible says. I'm losing it. How much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Autant Dieu peut vous donner le. Sorry, I'm losing it. Comme Dieu peut à ceux qui lui demandent. Donc d'autant plus ceux qui demandent à Dieu. But God has chosen the foolish things in the world to put to shame the wise. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. God has chosen the weak things of the world to put to shame the things that are mighty. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. And the base things of the world, the things which are despised, God has chosen, and the things which are not to bring to nothing, the things that are.
Il a choisi ce qui est bas, méprisable ou ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. That no flesh should glory in his presence. Qu'aucune chair ne va se glorifier dans sa présence. Amen. God can use you. Dieu peut vous utiliser. Jesus says you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Jésus a dit vous allez recevoir un pouvoir, une puissance quand le Saint-Esprit va descendre sur vous. And you will be witnesses unto me. Et vous allez être des témoins de moi-même. The power comes that you will be a witness. La puissance va venir pour que vous soyez des témoins. Acts chapter 2, now the day of Pentecost had fully come. They were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. And it filled the whole house where they were sitting. So, Acts, brother, please. Chapter 2. Chapitre 2. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. C'est le texte qu'on a lu au début de ce culte. Donc, c'est le texte qu'on a lu au début de ce culte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. I believe there is a flame of fire for you today. Je suis convaincu qu'il y a une flamme de feu qui est là aujourd'hui pour vous. God takes what is nothing and makes it into something. Dieu prend de quelque chose qui n'est rien, il en fait vraiment quelque chose. Amen. Amen. Do you want that fire? Est-ce que vous voulez désirer un feu? Amen. Do you want that anointing? Est-ce que vous voulez l'onction? Amen. It's not for fun. C'est pas pour s'amuser, hein, c'est pas une blague. It's to be a witness. C'est pour être un témoin. Amen. The fire is not always pleasant. Le feu n'est pas toujours amusant, hein, agréable. It might make you to stand up on the bus and start to preach. Ça peut vous faire tenir debout dans le bus et commencer à prêcher. It might make you in a party to make you stand up and preach the gospel. Ça peut arriver que vous soyez dans une fête et que vous commencez à vous lever et annoncer l'évangile. It might bring you places you don't want to even go. Et ça peut vous emmener à des endroits que vous n'avez même pas envie d'aller. It might make you to be awake all night and pray for 12 hours. Ça peut vous tenir réveillé toute la nuit pour. It might burn out of your life everything that God doesn't want to be there. Ça peut vraiment éliminer de votre vie tout ce que Dieu n'a pas envie qu'il y soit. As you start to use this fire and this anointing, mais quand vous allez commencer à vraiment utiliser cette onction, it will make a difference and it will grow. Ça va faire une différence dans votre vie et ça va grandir. God will take life and make it into abundance of life. Dieu va prendre votre vie pour en faire une abondance de vie. Amen. If you want His fire, just lift up your hands. Et si vous voulez ce feu, simplement levez les mains. Où vous êtes? Close your eyes. Levez les mains. And if you are not to receive Jesus. Et si vous sorry, if you never received Jesus. Si vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie. I just wanted to pray this prayer with me. Je voudrais vous prier cette prière avec moi. And let all of us pray together. Alors on peut prier tous ensemble. Say Jesus. Jesus, I'm a sinner. Let's pray it all of us to just help those that never prayed it before. If you are a believer, say Jesus. Jesus, I'm a sinner. But I believe you are the Son of God who died for my sin on the cross, who rose again. Lord, here I am. Cleanse my sin away. Wash me. Make me clean. Make me clean. Rends-moi propre. Purify me. Purifie-moi. Lord, Seigneur, give me of your spirit. Donne-moi ton esprit. God, baptize me in fire. Dieu, baptise-moi dans le feu. Just
Just ask him to come with his fire. Simplement, demande-lui de venir avec son feu. If you want his fire, cry out to him. Si tu veux ce feu, crie à lui. The Lord, I want your fire. Dieu, je veux ton feu. Lord, I want to be a minister. Dieu, je veux être un serviteur. I want to be a doer of the word. Je veux quelqu'un qui pratique la parole. I don't want that boring Christian life. Je veux pas d'une vie chrétienne ennuyeuse. I want to live the Acts of the Apostles. Je veux vivre selon les Actes des Apôtres. Isaiah heard God. Oui, Isaïe a entendu Dieu. God said, who shall we send? Who will go for us? Qui enverrai? Who will go for us? Qui va aller pour nous? Isaiah says, here I am. Isaïe a dit, je suis là. Send me. Envoie-moi. Send me. Envoie-moi. Send me. Envoie-moi. Isaiah didn't hear them call his name. Isaïe n'a pas entendu son nom. He just heard God say, whom shall we send? Il a simplement entendu Dieu qui disait, qui vais-je envoyer? And Isaiah said, here I am. Et Isaïe a dit, là je suis là, envoie-moi. Have you heard God tonight? Maintenant vous pouvez avoir entendu Dieu aujourd'hui. He says, whom shall we send? Qui allons-nous envoyer? Qui vais-je envoyer? Who shall go downtown? Qui va aller dans le bas de la ville? Who shall go to the shopping mall? Qui va aller dans le shopping center? Who shall go to France or qui va aller en France? To Africa? Ou en Afrique? And you hear his voice today. Et vous entendez sa voix aujourd'hui. And you say, here I am, Lord. Et vous dites, là, je suis là, Seigneur. Send me. Envoie-moi. Isaiah says that I'm a man with unclean lips. Isaïe a dit qu'il a eu des lèvres impures. But as he said, he, I want to go. Mais il a dit malgré ça, il a dit moi je veux y aller, je veux y aller. God cleansed him. Et Dieu l'a lavé, l'a nettoyé. God qualified him. Et Dieu l'a qualifié. God equipped him. Et Dieu l'a équipé. And the same he's about to do with you. Et il va faire la même chose avec vous aujourd'hui. Let's just stand up on our feet. Tenez-vous debout. I've seen as I've been preaching the gospel. I've seen so many miracles. When I share the gospel on the street to people who just laugh and mock. Quand je partage l'évangile dans la rue, j'ai vu tellement de gens en train de rire et de se moquer. And they say you don't have any proof. Et qui me disait tu n'as aucune preuve. And I said yes, I do. Là, je dis oui, j'en ai. Jesus is here with me. Parce que Jésus est là avec moi. And he's there to prove. Alors, il m'a donné une preuve. Signs and wonders and miracles. Ben alors, vous allez voir des signes de merveilles et de miracles. And as they have allowed me to put my hand on them, they're still laughing. Alors, même quand ils permettaient que j'impose les mains sur eux, ils étaient toujours en train de rire. And they experienced the power of God themselves. Alors, ils ont en même temps, à ce moment-là, ils ont expérimenté la puissance de Dieu sur eux. And their sickness and pain suddenly is gone. Et leur douleur et leur maladie sont soudainement parties. Amen. They don't laugh anymore. Alors, ils riaient plus. Hein. As you go with the anointing. Quand vous allez aller avec l'onction. And you start to lay hands on the sick. Et que vous commencez à imposer les mains sur les malades. You'll start to see that God will testify. Vous allez voir à ce moment-là que Dieu va témoigner. He will confirm the gospel as you speak it. Il va confirmer l'évangile à partir du moment où vous le parlez, vous le dites, l'annoncez. That their faith will not be built on your nice words. Que leur foi ne va pas être bâtie sur vos mots gentils. But on spirit and on power. Mais en esprit et en puissance. God is here to heal people this morning too. Dieu m'a envoyé pour guérir des personnes ici aussi. If you have any sickness in your body. Si vous avez n'importe quelle maladie dans votre corps. God can make you heal whole right now. Dieu peut vous rendre parfait maintenant. Again, if you want the power and the anointing. Et encore, si vous voulez la puissance de l'onction.
Ask him right now. Demandez-lui maintenant. He's here to baptize you. Il est ici pour vous baptiser. In Jesus' name, I just release the power of God on you. Dans le nom de Jésus, il est en train de relâcher la puissance de Dieu sur vous. And I loose the gifts of the Spirit into work and operate in your life in Jesus' name. Et je libère la puissance de l'Esprit dans vos vies aujourd'hui. The gift of healing and the working of miracles. Le don de guérir et de faire des miracles. Amen. So Lord, I receive your fire. Dieu, je reçois ton feu. You're not Norwegian, are you? You're what? No. Norwegians are very quiet. So Lord, I receive your fire. Dieu, je reçois ton feu. I receive your anointing. Equip me for ministry, Lord. Thank you for qualifying me. Thank you for enabling me. Thank you for equipping me right now. With your anointing and your fire. Lord, I want to go with you. Jésus, je veux te suivre. Help me to act on your word. Aide-moi à agir selon ta parole. Give me to speak your word with all boldness. Donne-moi la faculté d'annoncer ta parole avec courage. In Jesus' name. Amen. Amen. Just receive. Just receive. Fire on you in Jesus' name. Come, Holy Spirit, with your fire. Jesus, come and baptize everyone in Holy Ghost and fire. Jesus, come and equip everyone here right now. Come and equip everyone here right now, Jesus. Father, everyone who is willing to go. Lord, everyone who says, "Here I am, send me." God bless them. God touch them. God heal every sick body here today. I speak to every sickness to get out of this place. Every spirit of infirmity, every blind and deaf and dumb spirit, I take authority over you in Jesus' name and command you to get out. Be made whole in Jesus' name. Whatever your miracle need is, receive it right now in Jesus' name. Put your hand on wherever you are sick. Put your hand. The Lord touch me. Lord heal me. Lord reveal yourself to me. Tell me your power today. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for blessing me. Start to test what you should not do. He could not go wrong. He could not bow. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And if there is some of you who are not 100% healed, have the testimony that we would like to pray for you after. Amen. I lay my hands on you. But I believe God is working in you right now. Just start to test your miracle. Amen. And as you go, God will go with you. He will go with you. Never leave you nor forsake you. He's your father. He loves you. Very, very much. And above all, he wants fellowship with you.
He wants fellowship. Because he loves you so much. He loves to just spend time with you. Amen. Tout simplement, pour être avec vous, sans déranger les autres.
I will not our guests here, so the two women and two men, to stand here by me and to stand here to receive the prayer of people. We will share the communion at the same moment. Donc faites-le dans le silence, dans le respect, sauvez pas vous filer les gens. Mais si vous voulez la prière, vous pouvez vous dire que ce soit Dieu qui est là, Mike est là, Messie est là, il y a beaucoup d'amour dans cette prière. Donc vous, celui qui fait la prière, pendant la prière, il va nous entourer plus avec vous. Oui. Et c'est ça ce qu'on veut dire.
de mes cœurs, l'autre présentement au Seigneur. Dans quel sens, Seigneur? Tu n'as pas dit, Seigneur. Tu ne peux plus voir que tu as dit, Seigneur. Toi, tu es là, Seigneur. Cet esprit qui est là, qui est là. Thank you.
La dernière phase de cette culte. Vous savez que nous avons fonctionné avec une demi-heure de retard. Et je sais que nous avons du repas préparé et tout. On m'a fait remarquer, on a posé des questions. Vraiment, ce jour de Pentecôte. Prenons cette résolution, chers frères et sœurs, pour venir rencontrer le Seigneur. Il y a les églises qui sont là le soir. À 17h, si vous venez ici, vous verrez qu'à 17h moins 5, cette salle est remplie. Et à 17h juste, le culte a déjà commencé. Tu n'es pas obligé de traduire pour nous. Ça, c'est le temps de la. Donc, je crois que vraiment, en ces jours de Pentecôte, nous devons nous lever pour changer nos habitudes et être là à 10h30 pour commencer le culte et les terminer à l'heure. Parce que nous sommes dans un contexte qui nous exige cela. Amen. Ma femme travaille à 7h. À 6h du matin, quand elle vient par le bus, souvent je l'accompagne. Et nous courons pour aller qu'elle soit là à 7h. Et aujourd'hui, elle va travailler à 15h. Donc, tout ce que nous allons faire, elle sait qu'à 15h, au moins au 10, elle sera son travail. C'est pas seulement elle, mais tous, vous le faites. Faites-le pour le Seigneur. Prévoyez. Même si elle doit préparer quelque chose comment pour la maison, à 7h, elle est là. Parce que sinon, il y aura un blâme. Et tout ce que nous faisons dans nos maisons, je prends ce risque-là de nous interpeller. Parce que ce que je vous assure, c'est pour notre bien. Et c'est le témoignage chrétien puissant aussi. Si pour Dieu nous venons, quand nous venons, nous ne prenons pas Dieu seul. Amen. Donc, ne soyez pas fâchés contre le pasteur, mais contre le Seigneur qui vous fait la réponse. Amen. 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 Donc, nous tous, nous devons faire cette foi. Et nous verrons Dieu, c'est un témoignage puissant, être là à l'heure pour le Seigneur. Alors, on change de page. Oui. Alors, nous voulons terminer ce moment pour remercier nos invités. Alors, au nom de l'Église, vous avez signé une petite carte et la première carte sera donnée à Gilles. Et vous voulez bien venir au Orc, hein, ici devant. Nous trinquons. Michael est derrière et il viendra au moment prochain. Michael. Oui, traduit cette chose. Nous come parce que nous voulons vous remercier. Alors, avant les dernières annonces, j'aimerais d'abord vraiment remercier. Alors, vous pensez que je vais les remercier? Non, je veux vous remercier. Je veux remercier d'abord la communauté. Parce que beaucoup de familles ici ont accueilli ces hommes et ces femmes de Dieu chez eux. Et encore, nous allons continuer à aller chez eux. Et c'était formidable. Mais c'était aussi émouvant. Parce que là, nous avons prié ensemble et partagé ce qui était très intime à chacun et à la famille. Merci au nom de l'Église, au nom de nous tous, à tous ceux qui ont pu accueillir les frères et les sœurs chez eux. Mais comme c'est nos habitudes, nous ne voulons pas laisser nos visiteurs aller comme ça. On voulait leur donner un peu de chocolat, mais le chocolat, on m'a dit que ça va se fondre. Alors, on a fait une épreuve, on était toujours à partir. Mais nous voulons quand même donner une carte d'abord. Et je vais demander à Papa Jean, on va venir donner la carte.
qui est un cadeau à Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La carte, peut-être que ça prenne quelque part, s'il n'y a pas de demande, on pourra. On a demandé à l'Église de signer cette carte. Oui, vous donnez à Jésus. Avec un grand sourire. Avec, voilà, il est là. Il est venu pour lui. Il embrasse. Embrasse les gens ici. Merci beaucoup. Thank you so much. Pour votre humour. Pour rien, Rachel Sophie. We laugh when you are there. Même l'accent américain. C'est difficile à comprendre. Je voulais mettre ce petit lien. Au nom de tous mes frères et sœurs qui sont ici. Oui, wonderful. Merci beaucoup, Jerry, qui aura la parole tout à l'heure. Et nous demandons aussi à maman François de donner aussi un petit cadeau à notre soeur ici. Non, François, voilà. Alors, And Billy is going to give a gift to Billy. You can read it. Okay. Oh. Alors, il y a des paroles. Voilà. Vous pouvez ouvrir. Et c'est une bonne carte au nom de l'Église. Vous ne pouvez pas dire un mot. Vous voulez que les gens prennent votre, vous savez, c'est comme ça.
Et comme ça, quand on fait accueillir les gens, elle fait ce jour sera plus vivant, pratique des essais. Amen. Voilà. Je raconte cette question pour parler jugement, chacun, vous ou peut-être la jeunesse. Je vous laisse, je laisse en fait mon adresse email à Pasteur Paul, si quelqu'un a envie de parler des choses que les gens ont pour un métier, certainement dans les jeunesses. Quand il cherche des amis chrétiens maintenant, vous pouvez le prendre. Je laisse mon adresse email ici. Merci. Vous avez compris à vous-même, vous savez comment communiquer. Alors, je vais donner il y a un autre cadeau qui sera donné. Je vais demander à maman Angèle de s'avancer. Alors, on va imaginer maman Angèle qui va donner un cadeau à qui. À qui, tu penses? Tu veux donner à quelqu'un? Je pense que c'est à Lucie. Non, non. Je pense que le cadeau va donner à Myriam. Le nom de Myriam. On a d'autres cartes qui sont là, on va aller donner avant les parties. Et ça c'est pour Myriam, pour encourager Myriam et tous les autres qui savent traduire ici. Pour que nous osons nous jeter dans nous. Amen. Et elle a été tout le temps là pour travailler. Alors, elle veut être où? Moi, je voulais dire à Lucie, à Mimi et à Thierry, il y a une semence peut-être invisible. Que Dieu vous bénisse, ainsi que toutes vos familles. Amen. Alors, au nom de l'Église, nous devons faire nous encourager les uns les autres. Amen. Nous devons dire un mot à Myriam. Qu'est-ce que tu lui dis pour la traduction? Et puis, il va monter son cadeau. Qu'est-ce que... Oui, c'est un bon exemple. Nous allons faire le Seigneur pour les nouvelles choses qui s'annoncent dans la vie de Myriam. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et quel est son cadeau? Alors, on va lire. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'était le message de week-end. Merci. Merci pour les souverains vraiment beaux. Each time I serve a drink at my home, I will remember all of you. Quand elle va avoir un invité chez elle à la maison, elle va chaque fois se rappeler avec cette ouverte et elle va se rappeler de la communauté aussi. Thank you so much. Merci. Nous devons de temps en temps nous donner aussi des petits cadeaux entre nous. Amen. Ça nous encourage dans l'amitié, dans l'amour. Parce que l'église ne doit pas être trop lourde. C'est pas amusant. Vous pouvez venir et nous donner un petit cadeau et ça vous fait bien. Amen. Et c'est vraiment très beau de recevoir des cadeaux, c'est pour ça. Amen, c'est cadeau. Alors, je crois que pendant qu'avant de terminer, je vais demander à Jerry son regard sur la communauté. Il y a un petit mot d'encouragement ou d'exhortation qui nous voilà. So most of you know maybe that I have a job that pays me a salary. Donc la plupart d'entre vous savent déjà que je travaille, votre patient, qui a 45 salaire.
spend the money. Moi, je dois vous dire que, en fait, là où je dépense mon argent, c'est par exemple ici dans la mission. I'm blessed to be able to visit many churches, many cultures. J'ai été vraiment bon de visiter plusieurs églises dans plusieurs cultures. But I must confess to you, I have a bit of sadness today. Mais je vous confesse qu'il y a un peu de tristesse aujourd'hui. Your pastor has been here to take us everywhere we went. And then others of you, one or two, were here to help Carabino or go with us. But I must say, most of you, I haven't seen you all week. One of my favorite quotes is from this famous scientist, Einstein. La parole préférée que j'aime bien de répéter vient d'Albert Einstein. He said the definition of insanity is to use the same thing over and over again and expect a different outcome. Donc la définition de la folie, c'est de faire et de refaire la même chose en espérant qu'il y a une autre solution. Une autre chose qui va arriver. So donc, on continue à faire la même chose. If we don't change what we do and how we do it, si on ne change pas la façon de faire qu'on a l'habitude de faire, si on ne change pas, there can be no change. Il ne va pas y avoir de changement, hein, si c'est clair. If a baby always drinks milk, si un bébé boit seulement du lait tout le temps, it's perfect for a baby when they're small, as infants. C'est parfait pour un bébé ou un petit enfant quand ils sont petits. But as they get older, they need meat, they need vegetables, and other things. Après, quand ils grandissent, ils ont besoin de légumes et de viande. I look forward to coming back to visit you sometime in the future. J'aimerais bien revenir vous voir dans le futur. And then come to the door out there on the street. Et venir ici à la porte à la rue. And see a sign that says, God has blessed us so much, we're meeting in a bigger place. D'arriver ici à la porte et de voir s'il y a une petite affiche qui dit, on a dû déménager pour un endroit plus grand. How will that happen? Comment est-ce que ça peut arriver une chose? How will that happen? Comment ça peut arriver une chose comme ça? That will happen only when everyone sitting here. Ça peut arriver que chacun d'ici et qu'on a promis qui sont assis ici. Comes to understand that the pastor's job is not the pastor's job. Whose job is it? C'est le travail de qui? C'est le job de qui? De qui? Yes. Maybe you're afraid to say it, but it's you. C'est chacun, c'est le travail de chacun d'entre nous. So I encourage you to take up that job that God has said is for you, not for him. Donc je vous encourage à commencer le travail que Dieu a pour vous et pas seulement son travail aux autres. I think we passed out papers that put names of people you're praying for. Donc je pense qu'on a passé des feuilles de papier, on a invité à la personne pour laquelle on va prier. And then pray for those every day. Donc en fait on a reçu des papiers et j'ai prié pour ces personnes pour la haut. And it tends to have a transition from a friend conversation or a secular conversation to being a spiritual conversation. So my challenge to you and my challenge to me, to my church in Texas and to your church in Brussels, let the church be the church. Laissez l'église être l'église. And it's your calling. C'est votre appel. To lead people to Christ. Pour diriger, amener des gens à Christ. To help them grow in Christ. De les aider à grandir dans le Christ. Teach them how to help others come to Christ. Et leur apprendre et enseigner à comment d'autres personnes à Christ. So members of this church, the true believers, donc, les membres de cette église, les vrais croyants, sincères, are the people who've had an incredible life of service, sont les gens qui ont une vie incroyable dans notre église,
Maybe your name is not in the paper, the newspaper, the church paper. I tell people all the time, we find out that this person was a fully formed follower of Christ. At the funeral. As person after person speaks to say their testimony is that the person who's dead is not dead. Le témoignage, c'est à propos de la personne qui est décédée, mais n'est pas, mais n'est pas mort. And he changed or she changed my life because they led me to Jesus. Voilà, le témoignage, c'est que quelqu'un parle de confession et qui dit cette personne-là, elle a changé ma vie. And someone speaks up and says something else wonderful that God has done for me. Et alors il y a encore d'autres personnes qui se lèvent et qui vont faire le témoignage pour le royaume. I have to say honestly, I'm looking forward to my funeral. Dans ce cas-là, vraiment, moi, j'ai envie d'assister à mes funérailles, puisque tous les gens vont parler de moi. First, I won't be here. La première chose, je ne vais pas être ici. I'll be there. Je vais être là-bas. I don't know if I get to hear the funeral. I don't know if I get to hear the Je ne sais pas si je vais assister à ce que les gens vont dire de moi. But I know who I'll be listening with. Donc je sais avec qui je vais écouter. And I look forward to being like Jesus. Je vraiment j'ai envie de rencontrer Jésus. So I say to you. In the future, I'll either meet you here. Dans le futur, je vais soit vous rencontrer ici. Or in the air. Ou dans l'air. Or over there. Ou là-bas. God bless you. Alors on va, vous savez, l'annonce c'est qu'il y a un repas. Et alors, je pense qu'on va s'organiser, les hommes essayer un peu de voir pour quelques tables qui vont être finies. Et on va partager quelque chose. Ne soyez pas pressés, c'est un moment comme du communion fraternel aussi. Les dames vont préparer les familles, prennent quelque chose. Peut-être ça sera à l'extérieur. Alors je voulais bien lui demander de prier pour notre église. Là, ce n'est pas pour nous, mais pour l'église vivante ici. Et de demander la bénédiction du Seigneur pour nous. Je vous demande de prier. And I wanted to ask for the speaking for the Sister Isle. Oui. Two of them over. Mettez-vous vraiment les mains dans la main. Comme ça, c'est une chaîne. Une chaîne. Seigneur, nous venons ensemble en unité. We commit our futures to you. Nous engageons notre futur à toi. Father, I pray for change for this church because change is good. Seigneur, je prie pour le changement de l'église, car le changement est bon. I pray for change in my own church. Je prie pour le changement de l'église. And for change for each person here. For change for me. Thank you, Father, for blessing us these days together. May we be faithful to focus on the most important things in our lives. It's not job, it's not family. It's the kingdom of God. And may we be faithful to that calling. Because I pray in your son's name. Amen. Que la grâce de notre Seigneur sur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de Dieu, soit avec aujourd'hui et à jamais. Allons à la paix. Amen. 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 Amen.
Thank you.